Bonjour les tricopines et les tricopins, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour notre troisième concours, donc le concours du mois de mars. Alors j'ai plein de choses à vous offrir les tricopines, bien sûr avec la collaboration de Lydia Crochet Tricot qui me fait vraiment la gentillesse de m'envoyer ces jolies laines afin que je puisse vous les faire gagner. Donc, je la remercie énormément. Donc, voilà. Je vais vous présenter ce que vous allez gagner. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà, de façon à ce que je puisse tout vous montrer. Alors, nous avons la Trapixel, comme d'habitude. Superbe fil en coton, regardez. Donc, ce sont des pelotes qui font plus ou moins entre 650 et 800 grammes et nous avons entre 120 et 130 mètres. C'est du 90% coton, 10% polyester et nous pouvons tricoter ou crocheter avec des aiguilles numéro 8 ou 10. Donc vous pouvez aussi bien le crocheter que le tricoter. Alors moi je ne l'ai pas encore utilisé parce que je trouve que Lydia fait vraiment des choses magnifiques avec la Trapixel. Donc si vous gagnez le lot, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube et vous allez voir qu'elle fait vraiment des très très jolies choses. Voilà la deuxième bobine, ce sont des bobines je pense de Trapixel. Et ce n'est pas fini, nous avons le troisième, un magnifique violet. Donc vous avez trois couleurs, je vais essayer de les mettre comme ceci. Nous avons violet, un magnifique bleu et un rose parme, un peu comme ça, très clair. Donc ensuite, nous avons des cotons Cupidon. Regardez les tricopines, magnifique. Alors la Cupidon, si vous ne l'avez pas testée, vraiment, je vous conseille. Elle est juste magnifique. Ce sont des pelotes toujours de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles numéro 3,5, voire même 4, en fonction du résultat que vous souhaitez. Très 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 bon coton, très jolie couleur les tricopines, pour l'avoir fait, pour l'avoir lavé, utilisé plusieurs fois, vraiment Cupidon, un très bon coton, vous allez voir. Je n'ai pas deux, mais trois pelotes à vous offrir, de quoi faire vraiment, avec trois pelotes, vous pouvez vous faire un petit pull manche courte sans problème. Ensuite, je vais vous présenter les crochets. C'est pas fini, bien sûr. Nous avons des crochets Knight Pro, le numéro 6,5, le numéro 6, 12 et 10. Donc là, j'en ai 4 à vous offrir. 6, 6,5, 10 et 12. Donc, 4 crochets. Ensuite, nous avons là le fil style, vraiment magnifique. Regardez sur ma chaîne, j'ai fait deux projets avec. J'ai un troisième en préparation avec deux pelotes. Vous pouvez vous faire un top. Vous pouvez vous faire vraiment un petit haut, manche courte, sans problème. Alors ça, c'est pareil. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font... Alors là, vous voyez, vous avez 350 mètres. Et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 3 et demi. Donc j'ai un projet de pull d'été col V avec le fil style qui est vraiment un très très joli fil. Regardez, brillant, très très joli. Et là nous avons 70% de coton, 30% de viscose. Le viscose, c'est ce qui entoure notre coton ici et qui donne cet effet, regardez, brillant, qui est vraiment magnifique. Et là nous avons deux pelotes. Et pour finir les tricopines, je vais vous offrir un cake magnifique, le cake Amazon. Alors moi je n'ai pas encore utilisé,
J'ai prévu de faire une écharpe plutôt ou étole, donc quelque chose d'assez large. Mais Lydia a beaucoup utilisé l'Amazon. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Elle a fait des très jolis châles avec. Et avec une pelote, vous pouvez faire un châle. Vraiment, regardez, passage des couleurs. Magnifique. Alors, c'est une pelote, regardez, qui fait 250 grammes et vous avez 1000 mètres. C'est du 100% coton et on nous dit que nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3 ou crocheter aussi avec un crochet numéro 3. Ça sera à vous de l'adapter. Seule petite particularité, il faut laver à la main ainsi que la trapixel aussi, ça se lave à la main. Voilà les copines pour le concours du mois de mars, donc le troisième concours. Alors, pour participer à ce concours, vous savez que c'est extrêmement simple. Il vous suffit seulement de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et de dire que vous participez les tricopies. Donc, et aussi, je le répète, c'est très très important les tricopies. Quand vous avez une personne, vous voyez, qui dit, qui a mis un commentaire et qui dit « je participe ». Et je vois qu'il y a des personnes qui cliquent dans le commentaire de la personne qui participe et qui dit « je participe aussi ». Alors ne faites pas cela, mettez directement en commentaire. Vous avez « commentaire », allez dans cette partie-là, « commentaire » et là, vous dites « je participe au concours ». Alors le concours, je le commence aujourd'hui et je le termine le dimanche 26 mars 2022 et je vous donnerai les résultats, j'espère, le lundi 27 mars, les tricopies. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à participer au concours, vous avez vraiment regardé de quoi faire. En plus des, vraiment là, c'est vraiment des laines pour l'été, je vais commencer les projets pour l'été. Donc voilà, n'hésitez pas à participer les tricopines et je vous dis à tous et à toutes, bonne chance.